Malgré son comique parfois débridé, on ne peut lire ou voir jouer le malade imaginaire sans émotion. En effet, la pièce a constitué pour Molière une sorte d'adieu à la vie. Dès la première représentation, le 10 février 1673, il tenait lui-même le rôle d'Argan. À la quatrième, le 17 février, il fut pris d'un violent malaise pendant le tableau final. Il dissimula sa souffrance sous une grimace et il eut le courage de terminer le spectacle, observant jusqu'au bout cette grande morale du théâtre, dont il demeure le représentant le plus aimé. À moins d'impossibilité absolue, un acteur joue son rôle quelles que soient les circonstances, même s'il est malade, même s'il a eu ce jour-là un très grand chagrin ou le deuil le plus cruel. Transporté chez lui, à peine le rideau baissé, Molière mourait dans la nuit, étouffé par le sang qu'il vomissait. Chaque année depuis, à la même date, la troupe de Molière, c'est-à-dire la Comédie française, rejoue la pièce en son honneur et participe au grand complet à la cérémonie finale qu'il avait imaginée. Le fauteuil où il jouait lui-même Argan est placé au premier plan de la scène, en pleine lumière. Bonsoir à tous, c'est John de la chaîne Ciné Legacy. J'espère que vous allez bien pour la 33e nuit des Molières, et c'est pas dommage. Alors, bien entendu, ce petit passage que je vous ai lu concernant le malade imaginaire, ça n'est pas non plus anodin, étant donné que la 32e nuit des Molières a eu lieu en 2020. En 2021, exit. Plus rien. La 32e cérémonie des Molières, qui se déroula le 23 juin 2020, sans public, au théâtre du Châtelet à Paris. Bon, elle a été retransmise quand même sur France 2. La cérémonie devait avoir lieu le 17 mai 2020, mais a été reportée en raison de la pandémie de Covid. Et tout ce qui l'en est découlé concernant des problèmes, dirais-je, constitutionnels. Donc, quoi de mieux que de parler de Molière et du malade imaginaire. D'autant plus important, cette 33e cérémonie, rebaptisée 400e cérémonie des Molières en hommage au dramaturge, dont le 400e anniversaire est célébré cette année. Et oui, cette année, Molière, Jean-Baptiste Poquelin, né en 1622, qui devient Molière, comédien, auteur et directeur de l'illustre théâtre en 1643. Donc, rebaptisé la 400e cérémonie des Molières, assez étrange, selon mon goût, j'ai recherché derrière, et je n'ai trouvé que pour la catégorie comédienne secondaire, je n'ai trouvé que le Tartuffe, c'est-à-dire une adaptation d'une production du maître Molière, l'unique et la seule. Alors pour cette 400e rebaptisée, 400e cérémonie des Molières, c'est bien joli, mais on ne retrouve qu'une seule production du maître représentée cette année chez la comédienne Dominique Blanc, que je soutiens fermement avec beaucoup de cœur. Sinon, je suis assez étonné aussi de voir que nombre de participations à cette 33e cérémonie des Molières, de voir qu'il y a quand même des productions qui nous viennent de l'étranger, telles que dans la création visuelle et sonore, nous avons Le Roi Lion, hein, tiré du dessin animé de Walt Disney, donc production outre-Atlantique. Nous avons aussi, alors je vous dis ça quand même à la volée, Le Voyage de Gulliver aussi, qui est dans la catégorie théâtre public. Nous avons, comme ça vite fait à la volée, pim, pim. Je
crois que j'avais vu un truc. Oui, Blanche-Neige et les Sept Nains dans la catégorie des nominés jeune public. Blanche-Neige et les Sept Nains d'Olivier Soliveres. Voilà. Les Mystérieux Cités d'Or aussi nominés dans la catégorie jeune public. Hansel et Gretel aussi. Hein. Donc, pas mal de productions qui nous viennent de l'étranger quand même. Pour cette 33e pardon, Nuit des Molières, rebaptisée la 400e en l'honneur de. Et en l'hommage du dramaturge Molière, dont c'est le 400e anniversaire, ça fait un peu Maigrelet à mon goût. Voilà. J'avais envie de le dire, parce qu'il fallait le dire. Alors, je tiens à vous dire que je suis un peu, même pas mal, même beaucoup, fatigué. Ça m'a demandé beaucoup d'ailleurs de préparer cette émission ce soir. J'ai beaucoup hésité, même au dernier moment, je me suis dit, je vais pas le faire parce que je suis très fatigué. Vous allez me dire, oui, t'avais qu'à t'y prendre avant. C'est vrai que je me suis rendu compte au dernier moment, c'est-à-dire ce matin, qu'il y avait en fait la cérémonie des Molières. Je l'ai même pas vu hier. D'habitude, je vérifie. Et je vérifie les programmes de ce qui est diffusé un peu à la télé, un peu partout. Et ça m'est passé complètement à côté. Vraiment, pas vu. Et puis bon, bah, ce matin, je me suis couché très tard d'abord. Et puis je me suis réveillé ce matin grâce à mon nouveau voisin qui vient d'arriver, qui nous fait des travaux, hein, qui a eu la gentillesse de ne pas me prévenir, bien entendu. Alors, je ne sais pas si c'est bien normal de faire des travaux dans son appartement avec un marteau-piqueur. Vous me direz ça dans les commentaires. Alors bonsoir à tous. Alors la chaîne Ciné Legacy est en plein démarrage. Vous savez que je prépare des critiques et analyses alternatives, c'est-à-dire de mon cru, des trucs que vous avez jamais trouvé sur YouTube. Donc, je prépare toujours cette avant-première spéciale uniquement pour les abonnés en privé. Donc vous pouvez toujours m'en faire la demande. Vous avez les liens en description sur VK et sur Facebook, d'accord ? Vous me balancez votre Gmail en privé, hein, bien entendu, hein, sur la place publique, et je vous donnerai donc, je vous enverrai sur votre boîte mail le lien de ce futur contenu avant-première de la chaîne de critique et d'analyse ciné de mon cru. Voilà. Ça, on testera ensemble, on verra si cela vous plaît ou pas, on verra un peu comment ça peut fonctionner. Je travaille toujours dessus, simplement assez compliqué avec les travaux donc, de mon voisin de tourner la journée. Hein, voilà. J'ai pas trop la possibilité de tourner le soir parce que je suis assez fatigué aussi. Hein, on revient tous des vacances de Pâques, hein, je m'en suis toujours pas remis, j'ai pris des kilos aussi. Je sais pas si c'est votre cas. Enfin bon, voilà. Donc pour cette 33e nuit des Molières, pardon. Alors, nous avons 17 catégories. Alors, la première catégorie, alors je ne sais pas dans quel ordre, hein, parce que je vais suivre en même temps sur France 3 comment que c'est que ça se passe, comme dirait l'autre. Donc, dans quel ordre, je ne sais pas. En tout cas, nous avons la catégorie auteur. Vous avez la catégorie comédie. Une catégorie comédien du circuit privé. Une autre catégorie comédien public. Nous avons une catégorie comédien secondaire, c'est-à-dire pour les seconds rôles, je pense. Thank you.
comédienne du circuit public. Aussi comédienne pour les seconds rôles. Une autre catégorie, création visuelle et sonore. Ça peut être intéressant aussi. Une autre catégorie que j'affectionne tout particulièrement, étant donné que les précédentes Nuits des Molières, dans les précédentes, nous avons eu Blanche Gardin quand même, que j'affectionne beaucoup, que je salue bien bas, que j'aime, j'adore son écriture. Elle déchire tout, elle écrit vraiment bien. Issue de l'école stand-up à l'américaine, vraiment une écriture royale. Blanche Gardin, je t'embrasse. Donc, catégorie que j'affectionne, humour. Voilà. Une autre catégorie, jeune public. Bon. Une catégorie, bien entendu, metteur en scène du côté du circuit privé, metteur en scène du côté du circuit public, c'est-à-dire avec vos pépettes, hein, c'est avec votre argent, hein, il y a du théâtre subventionné d'État. Hein. Nous avons les catégories les plus intéressantes, et là-dessus, on va bien regarder, catégorie révélation féminine, catégorie révélation masculine, catégorie aussi seul en scène, on y tient beaucoup aussi, c'est important. Spectacle, une autre catégorie, spectacle musical, et bien entendu, théâtre privé, et la catégorie théâtre de subvention publique avec vos pépettes. Et ça, c'est très intéressant quand même de regarder où va notre argent. Alors, merci de mettre des petits pouces en l'air. Je vous rebalance un peu de musique, je vais aller faire un tour du côté de France 3 pour voir où cela en est. Voilà, à tout de suite. Bonsoir à tous, merci de ne pas oublier de mettre des pouces en l'air, c'est Rodjot de la chaîne Ciné Legacy, les gars. Je vais vous parler quand même de la nuit des Molières. Pourtant quand même un petit point comme ça, histoire un petit peu de ressortir avec un petit peu de bagage culturel. La nuit des Molières, connue aussi comme les Molières, est une cérémonie de récompense du théâtre français, décernée par l'Académie des Molières, qui a lieu chaque année depuis 1987, les gars, afin de saluer les meilleurs artistes et productions. Voilà. La cérémonie de la Nuit des Molières constitue la plus importante remise de prix au théâtre en France. Voilà. D'un côté, on a les Césars pour le cinéma, les Victoires de la Musique pour la musique et les Sept d'Or pour la télévision. Voilà. Et nous avons donc la Nuit des Molières, les Molières, grande récompense devant l'éternel, j'ai envie de vous dire. Côté historique, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh bien, en 1986, nous avons tout un parterre de personnages tels que Jean-Louis Barrault, Jean Le Poulain, Claude Santelli, Jérôme Hulot, Jean Danet, Jacqueline Cartier, Guy Dumur, Roland Bertin, directeur de théâtre privé, critique et personnalité du monde du théâtre, décide de la création de la cérémonie des Molières. La première cérémonie a eu lieu le 23 mai 1987 au Théâtre du Châtelet à Paris. Les fondateurs créent l'Association professionnelle et artistique du théâtre, l'APAT, abréviation somme toute un petit peu somnolente, et font donc appel à Georges Craven, spécialiste de ces événements. Les personnalités du théâtre public se joignent peu à peu à l'organisation de la cérémonie. Voilà. Je ne veux pas vous pomper plus le cerveau que ça, mais c'est quand même pas mal de le savoir.
Honnêtement, je pense que c'est grave. Je pense que d'en arriver là, à un moment, j'aimerais bien que de temps en temps, sur les grandes chaînes, à des heures comme ça, on voit des gens, je sais pas, brillants, qui nous inspirent quelque chose, qui ont un truc de plus que nous, qui nous filent envie de comprendre des trucs sur le monde, sur ce qu'on est. De mettre en scène comme ça le discours abscon et la médiocrité, ça me saoule. Voilà. On ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ?